Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture générale pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour le mois d'avril 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les instructions se trouvent dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo. Cliquez sur le deuxième lien, réservez votre guidance et je suis à vous. On va donc commencer. Lecture pour les vierges. Si vous appréciez ma lecture, cliquez sur j'aime, ok? Alright. I just please give me a reading for my Virgo space. I just please give me a reading for my Virgo space. 2022. Ouh, les vierges, pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous avez votre copine qui est enceinte de vous. Soit elle est enceinte d'un deuxième enfant ou bien elle est juste enceinte pour la première fois, mais vous venez ici d'apprendre la naissance d'un enfant. Et on est ici dans une situation où, you know, il y a beaucoup de joie quand il s'agit de la naissance d'un enfant. C'est votre première fois d'être père. Il est probable que votre enfant sera blond, surtout si vous-même vous êtes blond, ok? Ça va être une petite fille. Et vous essayez de vous mettre à l'idée ce que c'est que d'être père. Vous essayez de vous apprêter à être père. Donc c'est carrément un nouveau chapitre dans votre vie que vous allez avoir, un nouveau chapitre dans votre vie que vous allez ici atteindre, ok? Now, pour une autre partie d'entre vous par contre, quand il s'agit ici de vos finances, il est probable que vous voulez avoir un petit travail sur le côté, un petit business sur le côté. Vous avez ici envie de peut-être vous créer une petite entreprise ou encore vous créer quelque chose qui va vous permettre d'avoir une retraite, d'accord? D'avoir une retraite avancée, d'avoir une retraite rien qu'à vous, rien que pour vous. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, quand il s'agit ici d'une union que vous avez avec une personne, on a ici les anges qui me parlent de réconciliation entre vous et un partenaire. Pour d'autres, si vous êtes déjà parents, c'est ici une réconciliation entre vous et vos enfants. Ok, so peut-être que vous voulez vous réconcilier avec vos enfants, vous êtes ici déchiré avec vos enfants, c'est peut-être un père, un bien. Vous êtes ici déchiré avec vos enfants et il y a ici l'opportunité de vous réconcilier. On a peut-être aussi votre enfant qui va encore vous donner une chance de vous rattraper. Mais il est important pour vous de savoir que pour d'autres, vous avez ici besoin d'être avec votre mère. Ou encore, vous avez ici besoin de prendre conseil avec votre mère. Ou encore, vous vous apprêtez à annoncer à votre mère que vous attendez un enfant. Vous vous apprêtez à annoncer à votre mère qu'elle va être grand-mère. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous venez tout juste de vous réconcilier avec un partenaire, on a cancer, poisson, scorpion, capricorne, vierge, taureau. Si vous venez tout juste de vous réconcilier avec un partenaire, on a ici les anges qui disent que votre union va être beaucoup plus soudée que d'habitude. Votre union va être beaucoup plus intense que d'habitude, ok? So, il est important pour vous de croire en la destinée d'une relation que vous avez ici avec un partenaire. Une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être en couple avec quelqu'un qui travaille dans un bar ou encore quelqu'un qui travaille dans une boîte de nuit en tant que serveur, serveuse.
Pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi si quelqu'un peut-être qui danse dans un bar ou quelqu'un qui pratique de la danse. Ou on a ici quelqu'un qui est professeur de danse. OK? Mais on a votre famille qui s'agrandit. Pour d'autres, vous vous sentez béni. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici même, une nouvelle foi, une nouvelle religion qui naît en vous. Il est probable que vous êtes désormais converti. Pour d'autres, on a ici les anges qui disent que vous avez désormais la foi en Dieu. Vous êtes maintenant converti. So, peut-être aussi que vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui vous a aidé à vous reconvertir spirituellement. Et depuis que vous êtes ici reconverti, il y a beaucoup de choses que vous voyez différemment. Il y a beaucoup plus de passion dans votre vie à soi. Alright. Pour une certaine partie d'entre vous, si votre femme est enceinte, vous ne connaissez toujours pas le sexe de l'enfant. So, vous espérez que ce soit un garçon. Elle espère que ce soit une fille. Over here. Pour d'autres, il est probable que vous êtes ici en train de préparer une fête. La fête que vous préparez, il est aussi probable que vous préparez l'anniversaire de votre enfant pour certains, ok? Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici en train de préparer une fête pour révéler le sexe de l'enfant, savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. Mais il y a beaucoup d'harmonie dans votre couple. Ce nouveau couple-là que vous avez, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux. Vous voulez vous battre pour le succès de votre couple. Vous voulez vous battre pour protéger votre famille. Pour une partie d'entre vous, vous êtes désormais père de famille. D'accord? Et parce que vous êtes père de famille, vous essayez de toujours rester victorieux dans tout ce que vous entreprenez, mais vous essayez aussi de d'être capable de protéger les vôtres, protéger les siens. La personne qui est dans votre vie, votre partenaire, votre femme, votre homme, peu importe qui est cette personne-là vous a fait changer, ok? Et la raison pour laquelle vous continuez d'être avec cette personne, c'est parce que vous avez l'impression que cette personne vous a fait changer pour le meilleur. Vous voyez les choses de manière différente. Vous voyez les choses de manière plus objective. Une autre partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici qui peut-être participe à un championnat. Peut-être que vous voulez vous inscrire à un certain championnat pour gagner un certain prix ou encore vous risquez d'être intéressé à rentrer dans certains championnats ou dans certaines. Je ne sais pas ce que c'est. C'est ici quelque chose qui est en rapport avec. De l'activité physique, du sport, something like that. Et vous risquez ici de vouloir vous inscrire dans un truc comme ça. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici Azwa, votre partenaire, qui décide de retourner à la gym. Peut-être que votre partenaire a pris un peu de poids depuis un certain temps et vous êtes ici en train d'essayer de coach votre partenaire, aider votre partenaire à perdre du poids, something like that, ok? Mais vous et votre partenaire, vous êtes très soudés dans un certain sens du terme. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les Vierges, Taureau, Capricorne, Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. Bisous, bye.